Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien parce que je vais bien. Voilà. J'espère que tous mes amis vont bien parce qu'aujourd'hui on parle de Tiesco le Sultan, l'emmerdeur, je dirais. Voilà, Tiesco le Sultan, l'emmerdeur. Moi hier, je fais une vidéo sur ton cul du sale, une façon de te donner un peu de vue parce que tu peux lire les commentaires sous la vidéo. Il y a beaucoup qui disent qu'ils ne savaient pas que j'avais sorti une œuvre. Et franchement, c'est des choses qui sont triste à entendre pour un artiste qui se dit connu de tout le monde. Et j'ai aussi un message à passer aux fans de Bordeaux, parce qu'il y a certains fans aussi qui exagèrent. Je vais m'adresser à eux, leur donner quelques conseils par rapport à la chaîne YouTube officielle de l'artiste de Bordeaux, Ikoufa. Donc, Tiesco le Sultan, il faut bien prendre ton tabouret, il faut t'asseoir, parce que juste après le générique, qu'on démarre la vidéo. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur Erika. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage-moi. Bonjour chers abonnés, alerte, alerte, alerte. Face au coronavirus, pour se protéger et protéger les autres. Se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. Voilà, bon retour les amis, bon retour. Bien avant de me prononcer sur la réaction, la toute dernière réaction de l'artiste Tiesco le Sultan, j'aimerais dire ceci aux fans de Bordeaux Likoufa. Vous voyez, l'artiste de Bordeaux, Likoufa, a déjà commencé à être boycotté. Voilà. Mais une chose est sûre, le son est trop lourd, le son est trop puissant pour qu'il puisse être, vous savez, pour qu'il puisse être boycotté, quoi. À la limite, c'est impossible. La seule manière de boycotter ce son-là, c'est d'envoyer un son qui sera à la hauteur de ce son. Voilà. Donc, il faut que ce soit clair dans la tête de ces petits détracteurs de Bordeaux, Likoufa. Qu'est-ce que j'ai à dire aux fans de Bordeaux? Apparemment, jusqu'en 2020, là encore, parce que je suis là depuis 2017 quand même, hein. Apparemment, jusqu'en 2020, là encore, il y a des fans de Bordeaux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube originale, officielle et authentique de l'artiste de Bordeaux, Likoufa. C'est inadmissible. Les amis, vous exagérez. Honnêtement, vous exagérez. Parce que, Hériton, moi-même seulement, là, j'ai fait trop de vidéos pour vous dire que ça, c'est la page Facebook officielle de l'artiste de Bordeaux Likoufa. Ça, c'est la chaîne YouTube officielle de l'artiste de Bordeaux Likoufa. Et jusqu'en 2020 là encore, après avoir multiplié mille et une vidéos, je vois, je constate qu'il y a encore des fans qui donnent des vues sur certaines chaînes YouTube qui ont juste balancé l'audio aussi de l'artiste de Bordeaux Likoufa. Vous voyez, je vais vous dire un truc. Écoutez-moi bien. Pour ceux qui ont vraiment envie, pour ceux qui ont vraiment envie d'être abonnés à la chaîne YouTube authentique et officielle de l'artiste de Bordeaux Likoufa, regardez sous cette vidéo là, il y a un coin, il y a un espace sous la vidéo qu'on appelle description vidéo. C'est là-bas je mets tous les liens. Vous verrez là-bas le lien de la chaîne YouTube de l'artiste Ibawan, vous verrez là-bas le lien de la chaîne YouTube de mon artiste First King, vous verrez là-bas le lien de la chaîne YouTube officielle et authentique de l'artiste de Bordeaux Likoufa. Et en plus, c'est le lien même de son dernier opus que du sale. Donc, quand vous cliquez sur le lien là-bas, vous serez redirigé sur une autre page. Vous pourrez vous abonner juste sur l'audio là. Regardez juste en bas, vous allez voir un point où il y a écrit s'abonner. Vous cliquez dessus et mieux, vous activez la cloche dessus. Parce que quand vous cliquez dessus, normalement, il y a une cloche qui sort. Vous pouvez cliquer dessus et activer la cloche de choses, la cloche de notification. C'est-à-dire activer toutes les notifications. Vous voyez, c'est inadmissible. Nous sommes en 2020, en mars 2020. Précisément, le 17 mars 2020. Oh, parenthèse, excusez-moi les amis, vous savez, hein, il y a des personnes qui soutiennent des Bordeaux, il y a des personnes qui soutiennent la musique ivoirienne, et il y a des personnes qui soutiennent aussi votre territoire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon papa, monsieur Patrice Manan. Joyeux anniversaire, tout le bonheur, beaucoup de santé, beaucoup d'argent comme vous l'avez déjà. En tout cas, Dieu n'a pas multiplié encore. Voilà, que Dieu vous bénisse et soyez toujours là pour votre fils que je suis. Voilà, parce que moi, pendant qu'il y a d'autres qui comptent sur le gouvernement, qui comptent sur les relations, moi je compte sur des personnes comme vous. Voilà. Juste pour rigoler, happy birthday papa, happy birthday. Ok, donc je poursuis pour dire que c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Je rappelle un truc aussi. De Bordeaux Likoufa n'a pas de page Instagram. Mais il y a son fan qui est en contact direct avec votre humble serviteur, héritier que je suis,
qui a créé une page fan, une page Instagram, mais qui n'est pas, on va dire, le fruit de l'artiste des Bordeaux, Likoufa. Ce fan-là l'a juste fait pour soutenir l'artiste des Bordeaux, pour relayer aussi les informations, l'actu de l'artiste des Bordeaux sur Instagram. Parce que Instagram, c'est un gros champ aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a beaucoup d'hommes qui sont sur Instagram, donc c'est normal que l'artiste des Bordeaux ait une licorne là-bas. Donc ce fan-là a décidé comme ça de créer une page Instagram pour soutenir l'artiste. Voilà. Je crois que c'est D.Likoufa, page fan. En tout cas, des Bordeaux Likoufa, page fan, quelque chose comme ça. Tout comme fait, si vous rentrez sur mon Instagram, que vous cherchez parmi mes abonnements, vous verrez bien cette page où je vous parle. C'est la seule page que vous devez suivre sur Instagram. Je dis la seule et unique page que vous devez suivre sur Instagram. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais mettre le lien aussi de cette page pour que vous vous abonniez. Maintenant, concernant la chaîne YouTube de l'artiste des Bordeaux Likoufa, là, elle est dans la description. La chaîne YouTube officielle et authentique est dans la description. N'allez pas ailleurs. Je vous demande pardon. Parce que franchement aussi, vous exagérez. Même sur sa page Facebook, où souvent il met le lien de sa chaîne YouTube, il y a des gens qui ne sont pas abonnés là-bas. Il y a beaucoup de fans des Bordeaux Likoufa qui ne sont pas abonnés à la page Facebook de l'artiste. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Parce que vous êtes abonné à des pages qui ne font jamais de direct. Ils ne savent que mettre quelques vidéos déjà passées, mettre quelques posts, mais ils ne font jamais de direct. Mais vous êtes toujours abonné à les pages. Vous aussi, vous devez vous poser la question de savoir. Mais bon, on est sur cette page là-haut. Il n'y a jamais eu de direct. Mais souvent, on voit les vidéos de Bordeaux en direct sur YouTube. D'où vient ce truc-là, ces vidéos-là? Vous faites vos recherches. C'est vrai que la chaîne, la page Facebook de l'artiste n'est pas encore certifiée, chose qui est inadmissible d'ailleurs. Mais quand même, si tu es un vrai fan, tu dois pouvoir retrouver, on va dire, la page Facebook authentique de ton artiste. Bref, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, pour ceux qui ont vraiment envie de s'abonner à la chaîne YouTube officielle et authentique de l'artiste de Bordeaux Likoufa, le lien est dans la description. Sur toutes mes vidéos et sur cette vidéo-là aussi. Donc, fouillez dans la description, c'est là-bas. Ceux qui sont vrais fans de Bordeaux, si vous voulez partager ce direct-là, pour dire aux gens qu'ils n'ont qu'à regarder en bas de ma vidéo, j'ai mis le lien de la chaîne YouTube de l'artiste de Bordeaux Likoufa, la vraie chaîne YouTube de l'artiste de Bordeaux Likoufa. Et puis, j'invite tous les légionnaires, tous les magnans à signaler toutes ces pages, toutes ces chaînes YouTube qu'on publie aussi, l'audio de Que dit Sal. Allez, supprimez rapidement ces chaînes-là, rapidement. Faut pas en bas durer les dents. Voilà, c'est vrai qu'actuellement, de Bordeaux en train de réaliser un truc de ouf, mais hein, il faut aller vraiment éradiquer ces brebis galeuses là. Bref, tiens, ce que le sultan, pourquoi je te dis de te calmer, j'avais envie de te vous voir, mais non, tu ne me le mérites pas, tu ne le mérites vraiment, vraiment pas. Moi, j'ai fait une vidéo comme ça hier pour parler un peu de ton cœur du sale, pour dire que je parle de toi, pas seulement dans le mauvais sens, je parle de toi quand tu as des nouvelles sorties. Bizarrement, je parle de toutes tes sorties, hein, mais tu sais pas ça en fait. Faut te calmer, voilà, faut te calmer. Toi, on sait que tu es un emmerdeur. Voilà, tu es un emmerdeur. Tu es un chercheur de noms. Tu es quelqu'un qui aime bien le buzz. D'après toi, on te connaît déjà. Mais on te connaît pourquoi? On te connaît parce que tu passais tout ton temps à clasher Didier Arafat. Et après, tu as mis ton dévolu aussi. Tu as acheté ton dévolu sur des Bordeaux Likoufa. Et tu continues encore. Le mec, il a sorti son morceau. Il n'a pas fait de réaction. Rien. Tu viens encore. Une façon de le boycotter. Oh, tu ne peux pas le boycotter. Quelqu'un qui a 300 et quelques mille vues. Je crois 336 000 ou 337 000 vues. Toi, tu n'as que 28 ou 29 000 vues. Dans le même temps là, et puis tu as le courage encore, la force nécessaire de vouloir peut-être le boycotter, de vouloir peut-être le rabaisser. Ce dont tu parles là, même moi je l'ai déjà parlé de ça. Voilà. Mais pour cette fois au moins ça, je pense que nous sommes en 2020, sur le plateau des polémiques, tu as dit que tu n'avais plus rien à faire à ces gens d'artistes qui ne sont pas stables et tout, et puis tu te lèves comme ça un bon matin pour faire d'après toi un direct. Tu aimes trop te faire voir. Tu vas rester un vidéo monde, mais pas un artiste confirmé. Voilà, toi tu dis que tu veux produire des Bordeaux pour qu'il arrive à un certain niveau, comme son frère Didier Arafat et d'autres artistes. Mais et toi-même, tu n'es pas artiste aussi, tu ne cherches pas à te mettre à ce niveau-là. Il faut penser à toi d'abord, parce que certes, des Bordeaux n'est pas encore arrivé au stade de Didier Arafat ou bien au stade de David Doe et consorts, mais il s'est fait un nom qui est trop grand en fait. Il suffit simplement de se professionnaliser, puis tu vas voir que toi et des Bordeaux, vous ne pouvez même pas parler ensemble. À la limite, prendre une photo, ça sera un peu difficile. Faut te prendre un peu au sérieux, hein? Voilà, faut te prendre vraiment, vraiment au sérieux. Parce que moi, j'ai l'impression que le queue du sale que tu as sorti, d'abord, un, je t'ai déjà dit que c'est un morceau qui est peut-être bien chanté en français, mais c'est toujours la même rythmique, c'est rien de nouveau, c'est rien d'extra. Je n'ai pas envie de dire nul, mais c'est vraiment, vraiment rien d'extra. Donc, faut chercher à toi-même te mettre au boulot. Voilà, c'est toujours le même chanté, la même manière de chanter, les mêmes flows, tu n'innoves pas. Et puis, au lieu de te concentrer à régler ces imperfections là, tu te concentres sur des Bordeaux. Quand souvent tu profères des menaces aussi comme quoi si des Bordeaux Likoufa va à Paris, tu peux le cacher ou bien tu vas le cacher, mais c'est faire comme lui. C'est-à-dire toi et lui, il n'y a aucune différence, mais lui, à la différence, il est super, hyper talentueux, il est très fort.
C'est vrai, il bavarde beaucoup. Souvent, il fait des choses qui vous énervent. Mais il a la capacité de vous faire danser, malgré qu'il vous énerve. Voilà la différence entre toi et Debordo Likoufa. Donc, il faut descendre un peu sur terre. Tu t'es auto-proclamé, je ne sais pas, boss de quel artiste, comme l'a dit Thierry Zo, mais tu ne vas pas venir nous saouler encore. Depuis, on est là. Les gens chantent. Mais un morceau, franchement, où, comme on dit, qui avait tout le monde au respect, c'est le que du sale de Debordo. Tout le monde est unanime dessus. Maintenant, quand tu fais ce genre de direct, là, tu recherches quoi? Tu recherches quoi? C'est quoi l'objectif derrière? Tu peux pas boycotter le morceau. Le morceau est trop lourd. Parce que tu fais même un brin d'hypocrisie dedans en disant que oui, tu as fait sortir le morceau est bon, à production. C'était ironique ce que tu faisais là, on a su ça déjà, mais c'est pas ça le problème. Tu vois un peu, non? Il faut arrêter de sortir des propos qui vont te compromettre demain. C'est valable et pour toi et même pour l'artiste dont je suis en train de défendre actuellement. En fait, je suis en train de le défendre parce que je te donne des conseils. Voilà, je ne suis pas en train de t'insulter, mais je suis en train de te dire qu'il faut te revoir, il faut te ressaisir. Et ça fait bon nombre d'années que je te le dis. Voilà. Si tu n'es pas prêt à écouter les conseils de tes petits frères ou de tes grands frères, il faut être sûr aussi que nous, tes petits frères, et certains de tes grands frères, on ne va jamais te respecter. On ne va jamais te considérer. Voilà. Tu chantes bien, je reconnais. Mais tu n'as pas le comportement qui mérite vraiment mon respect. Parce que je me dis que quand on veut dénoncer un comportement, c'est que nous-mêmes, nous en sommes un exemple. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est que nous en sommes un exemple. Donc, il faut te calmer. Voilà. À la limite, tu n'es rien. Tu ne peux pas faire peur à quelqu'un. Voilà. Tu ne peux pas faire peur à quelqu'un. La seule personne que je peux dire à mes abonnés d'avoir peur, il s'appelle Dieu. Mais un être humain reste un être humain. S'il a trop fait, là, c'est ôter la vie. Mais lui-même, quand il fait ça, c'est une bêtise parce que lui-même, il n'est pas immortel. Tu vois un peu, non? Il va mourir. Peut-être le lendemain même qu'il a fini de faire cette sale besogne-là. Il faut te ressaisir. Moi, j'ai horreur des personnes qui font la grande queue pour rien, surtout. Je ne supporte pas ça. Il faut se faire respecter. Il faut te faire respecter. C'est pas avec ça, là, que tu es arrivé quelque part. Oui, on va parler de toi sur YouTube, sur Facebook. D'après, on te connaît partout. Mais c'est sur les réseaux sociaux, hein. Et le tiers même de la population ivoirienne n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est ce que toi, tu ne sais pas. Si on est tous sur les réseaux sociaux, on a peut-être 4-5 millions. Or, nous sommes plus de 22 millions d'habitants. Donc, ressaisis-toi. Tu es encore sur des nuages. Voilà, tu es encore sur des nuages. Tu t'es auto-programmé, on n'a rien dit. Faut te contenter de ça. Et puis, tu vas vivre ta carrière. Tu vas continuer ta carrière. Mais il faut savoir que tu ne fais peur à personne. Ni à moi, ni à Thierry Zo, ni à un fan de Debordo. Encore moins à l'artiste de Bordeaux lui-même. Parce que sur quoi tu comptes là, il y en a qui comptent sur quelque chose aussi. Donc on n'a qu'à juste se respecter et puis passer à autre chose. Un parlant de toi-même qui dit il y a 9 mois, tu reviens dessus encore. Toi, tu as trop de vidéos qui peuvent te compromettre, mon ami. Trop. En tout cas, il faut te calmer. J'espère que c'est rentré.